D'accord, j'ai les appels à la gloire. Et je peux choisir un entraînement guerrier. Bah tiens, allons le faire. Et je suis pilier des plaines. Dégâts au moral plus 20%, maintien de morale plus 20%, combat en plaine plus 20%. Ça va, c'est correct. Alors par contre, je vais prendre lui. Voyons voir mon conseil. Parce que là, normalement, on peut monter ça. Mais il n'y a pas tout le monde. Pour l'instant, il y a le chef de Xanad et Axartan qui sont d'accord pour m'aider dans mon conseil. Alors Axartan, c'est lui. Et Xanad, c'est lui. Est-ce que je peux acheter une faveur à ma fille? 200 balles! À 80 balles, c'est plus respectable. Voilà, comme ça on aura déjà, si je retrouve ce que je veux, on aura déjà l'organisation tribale élevée. Et il nous restera plus qu'à passer en max. Voilà. Et après on pourra... Avec seulement deux personnes plus soi. Non, c'est pas ok ça. Je crois que c'est pas suffisant, je crois, il me semble. Ah, attendez. Ah oui, mais eux, ils veulent la guerre. Ils veulent pas... Ouais, mais ils veulent la guerre. Est-ce qu'on fait quand même la guerre ou pas? Parce que ça, si je fais pas ça, j'ai perdu prestige avec les troupes guerrières. La Croatie. Alors ça fait partie de quel duché ça, la Croatie? Partie du duché de Thème. M'en fous un peu. Par contre, baisser sa puissance à lui qui me casse les pieds depuis belle lurette. Prendre Ostorgon, pas tellement. Prendre Pest, ça m'intéresse plus. Et lui a 3000 troupes. Lui il a 1000 troupes et il a pas d'argent. On va aller chercher Pest. Conquête de Pest. Non, c'est bien. Allez, c'est parti. Bon appétit, juste comme ça. Non, moi je vais faire la guerre, je vais gagner du prestige en faisant la guerre en plus, ça sera pas mal. Joute verbale. Lui il a quoi? Luxure, pas vraiment. Timidité. Ah, il a ambition par contre. On va l'insulter. Ah bon, ben j'ai pas réussi, tant pis. Allez, on vient l'aider. Petit 60 de bataille là. Ouf. Bon, le 13 de prestige, c'est pas fameux, mais... Ouais, je sais, mais il me faut on va prendre les 500. Et déjà, j'aurais fait une guerre, donc normalement, j'aurais pas de perte, j'aurais des gains de prestige là-dessus. On va aller chercher Ostorgon. Oh purée, je perds 50 de prestige à cause de ce gamin.
On va faire la bataille ici, histoire de gagner du prestige bien. Ok, donc normalement je dois gagner 100 de prestige là-dessus. Ah non, je gagnais que 55. Ah, j'y suis même pas gagnant. C'est quoi, c'est un ours ici ou pas? Ah mais c'est pas un... Ouais mais est-ce que... attendez. Alors dans ces cas-là, il faut que je choisisse quelqu'un qui soit ours dans le pays. Titré, non. De ma culture. Et je veux pas qu'il soit de haut lignage. Et on va t'accorder le titre de peste. Voilà. Et normalement, avec le temps, il devrait changer la culture en ours. Vu que tu as laissé Horseland, c'est vrai que tu peux piller les propriétés non tribales en tant que tribal. Bah oui, oui, oui. Et oui, j'ai tous les DLC. Bon, bah là, on commence à avoir la Hongrie. Hein. On peut l'usurper d'ailleurs le titre de Hongrie ou pas hein. Ah ouais, je peux pas pour l'instant. Devenir chaste, etc. On va baisser nos armées. Cet enfant-là, ma petite fille. D'ailleurs... 200 pièces d'or. Ça vide un peu mes geôles. C'est sympa. Parfait. Bon, bah on aura bien pris là. Qui achète des faveurs? Ah, c'est vrai que lui, il a plusieurs fois piqué des faveurs, ce con-là. Maréchal. Ça, c'est un gars qui est pour moi. Chef de la Bauge. Est-ce qu'on le transformerait pas en ours, lui? C'est un membre de la famille. Il a déjà des ours dans la famille. Après, ça attaque les... Oh, je peux l'emprisonner, mon cousin. Ma petite fille. Ok. Dans les jaunes du grand khan de Pets. Ah, c'est con ça. Ouais, on a les 500 de prestige. Alors, est-ce qu'on les utilise sur à Bauge ou pas? Parce que lui, il a quoi? Dirigeant femme, organisation tribale élevée, culture lointaine, revendication de titre. Meurtrier reconnu. On va le transformer en ours. Ce qui va pas en rester beaucoup après derrière, mais... Ouais, mais ça, c'est... Je sais que j'ai besoin de ça pour que ça se convertisse. Mais... Plutôt prendre le chef de spice, plus intéressant.
Est-ce que ça, c'est pour quand? 872, pas avant 4 ans. Si tu passes de religion ours, toutes tes vassaux se convertiront d'un coup et au revoir le malus d'autorité de la couronne. Ouais, mais si je passe ours maintenant, est-ce que ça va pas être le bordel, quoi? Parce que certes, je suis au milieu des Slaves et tout ça, donc ça va me permettre quand même de gérer un peu. Mais avec une Serbie aussi forte, est-ce que ça va pas être un plaisir sans fin? Bah, pour l'instant non, parce qu'il n'a pas plusieurs titres, donc c'est ce qui m'embête un peu. Clairement, il s'effondrerait, ça m'arrangerait plus. Parce que là, son héritier... ça, c'est Bélogé. Pour l'instant, c'est la même personne, c'est un gars de 25 ans qui récupérait les titres. Donc ça m'arrange pas spécialement. Donc il a toujours 7000 titres. Après il a trop de vassaux. Ah s'il meurt par contre, il y a des vassaux qui vont devenir indépendants. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a... Non, on n'a même pas de... Ah, les flèches hurlantes. 50 technologies militaires. Ça me plaît. Ça me plaît. La majesté, ça, c'est bien. C'est du prestige en plus. On va gagner plus 5 à chaque fois. Donc ça me plaît, par contre. Votre petit-fils, bah lui c'est pour en faire un guerrier, donc il va se battre. Mais pour l'instant, tous ne sont pas de la bonne religion, quoi. La culture ours s'est répandue. Alors, on a des ours. Ici, là, 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 là. Ah, il n'y a que ces deux-là qui a pas d'ours. Fait chier. Et lui, il a l'air d'apprendre en intrigue. J'ai converti un cousin, celui qui est ici. Celui qui est là, j'ai converti à Bauge. Mais il me reste deux personnes à convertir. C'est marrant la Croatie, c'est... Tu te fais attaquer par qui, toi? Il y a une révolte byzantine, d'accord. Ben, s'il y a de la chance, oui. Si on pouvait avoir ce territoire qui se transforme, ça serait bien. Mais pour l'instant... Ah, quoique, Spice vient de se convertir. Spice vient de se convertir. Et j'ai une revendication sur la chefferie. Ah ouais, mais c'est pas ce que je veux, ça. Et c'est la Serbie, je peux pas attaquer la Serbie. Chefferie de Imotski. Et chefferie de Opava. Ça m'intéresse pas, ça. Bah ça serait bien si Gamer pouvait se convertir, ça m'arrangerait. Parce que là, si ça part ici, que ça se convertisse... Ah mais attendez! Malaise douloureux fréquent! C'est en train de se convertir sur Premils!
Alors malheureusement, ça se répand pas dans le bon sens. Et cette culture ours brun. Après, il faut voir. Ah! C'est sur Sherven. C'est sur Sherven. Non, mais ça serait trop beau, ça. Je sais pas où on se bat. Là-haut, d'accord. Ah, lui est devenu ours. Parfait. Ah, ça a fait aussi sur Bels. Mais ça a pas fait. Ah si! C'est bon! Lublin, c'est bon! Lublin, c'est bon! C'est bon aussi pour Gamer! Parfait! Bon, bah, on aura tous les vassaux. Bonsoir à toi, Maro Jolie. Donc, si on regarde les cultures, voilà, culture ours. Attendez, c'est devenu ours aussi ici! Ostorgon! Est-ce qu'on a. Ah, pareil pour Sandomierz. Ah, c'est bon, Eves est en train de devenir aussi ours. Ah, là-haut, parfait. Ah oui, là c'est une grosse. Ok, on vient de gagner. Jusqu'où ça ira? Bah, je sais pas. Pour l'instant, ça s'est arrêté de ce côté-ci. Ça n'a pas l'air de continuer. Par contre, de là. Ça a l'air de s'être arrêté aussi. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a eu plusieurs comtés chez nous. What? Mon fils est mort de mauvaise santé. Ah merde! Qui qu'il faut qu'on fasse élire alors? Bah est-ce qu'on ferait pas élire. Ah si, on peut faire élire une de nos filles! Si elles sont pas mariées. Attendez! J'aurais plus qu'est. Et t'as chié. J'aurais plus qu'est à chier. Eh, mais elle est mariée. Donc je peux pas. Elle n'est pas mariée, elle a 26 ans. Ou alors. Elle. Fluffy ou Brumelisa? Après, un petit commandant qui chope la maladie puis qui la transmet à un comté à l'autre bout de la map, ça serait drôle. C'est vrai que ça pourrait se faire. On prend quoi? Ouais, mais l'idiote, quoi. Ouais, mais bon, on s'en fout. Elle est rusée. Non, on va prendre Brumelisa. On va voter pour Brumelisa. J'ai Brumélissa. On va voir si les gens votent pour elle. Et on va mettre Brumélissa en. Un mariage. Est-ce qu'on a ours? Ah, il n'y a personne qui a le trait ours. On a bien un ours brun ici, avec le trait fort. On va faire comme ça.
Ah, ils vont pas me faire ça. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on mette notre héritier, mais notre héritier un peu à chier, quoi. Gorge sèche, c'est pas fameux, hein. C'est la mieux. Tu peux le laisser mourir aussi sans enfant. Oui, c'est vrai, on peut aussi faire ça. Mais le truc, c'est que... on va pas pouvoir rendre héréditaire le fait de transformer en ours, quoi. Après, on s'en fout, enfin, on s'en fout un peu, oui et non, le fait de transformer en ours... Si on l'a pas, c'est pas très très gênant, mais c'est dommage un peu, quoi. Bah, le problème, c'est que pour l'instant, ils vont élire le chef de Saxe, donc... qui est ici. Et j'ai pas spécialement envie que le chef de Saxe hérite, quoi. Et je suis pas sûr que l'assassiné... On peut la tenter. J'y crois pas des masses, mais... D'ailleurs, ça fait quoi ça? Est-ce que ça s'est plus propagé? Non, pas bien plus. Hein. Mais c'est les territoires qu'on peut prendre pour nous, ça. Après, attaquer la Khazarie, c'est quoi? C'est 2000 troupes. Et il peut lever. Ah, il peut aller jusqu'à 5. Palier vassal potentiel 1800, horde 2250, mercenaires 175, vassaux. Ouais, deux. Ouais, mais même moi, je suis à quoi? Je peux lever 8000 troupes plus mes escortes. Ça peut le faire aussi, hein. Si je vais chercher Premils, Sherven, c'est le duché qui est là, hein, c'est tout le duché qui est là qui est devenu ours. D'ailleurs, j'ai l'impression que la... Alors, c'est peut-être que moi. Non, c'est que moi, parce que ça, c'est un autre duché. Ah, je sais pas. Bon. On a dit 72 hein, pour changer la loi. 6 juillet 72. La baronnie de Barlade.
Lui, il a quoi? 5000 troupes. Mais 8000 de troupes vassales, c'est énorme. Je sais pas, mais il a mes frontières. Je pense que ça doit être un héritage. Est-ce que je peux pas... Est-ce que j'ai pas meilleur compte à voter pour mon fils quand même? Il est à chier, mais... Ouais, passer religion ours, là, il va falloir que... Que j'améliore... Ah, mais je peux améliorer mes règles en mettant la tour centrale animalière pour gagner plus de prestige. Et normalement, j'ai que des ours dans la famille. Il n'y a que des ours ici, maintenant. Et lui, il est parti en pèlerinage. Après, on peut regarder un petit peu ce qui a été augmenté. Là, il a fait... ah, mais attendez, on n'a pas caché les bâtiments... pas cacher les bâtiments. Si, je les ai cachés, mais on les voit quand même chez les autres, d'accord. Lui, il a monté la ferme des animaux, mais il a pas monté la tour centrale animalière. Il y en a aucun qui a monté la tour centrale. Bonsoir à toi, Mark Mail. Il y en a qui n'ont vraiment pas monté les bâtiments, ils sont vraiment vraiment loin. Et le problème, c'est qu'on a besoin de la tour centrale animalière. Est-ce qu'on conserve... dis-moi, Smuro, si je monte encore plus la tour centrale animalière, est-ce qu'elle reste au passage en féodalisé ou pas? Ou est-ce qu'il faut la remonter à nouveau? Ça, c'est comme pour les bâtiments Vanilla, c'est-à-dire tous les deux niveaux, il t'a une conversion, c'est-à-dire la tour niveau 2, la tour tribale niveau 2 se convertit en tour tribal, tour animalière niveau 1 pour les féodaux, enfin pour les châteaux, etc. D'accord, donc il va falloir que je la monte au moins niveau 2. Et niveau 4, c'est pour le niveau 2 des féodaux. Sachant que c'est surtout c'est un peu d'armée et un peu d'argent, beaucoup. Il y en a un qui est venu envoyer chier. Grande chefferie de Tchernikov. On essaye de placer des enfants. De toute façon, maintenant, on n'a plus spécialement besoin de changer les ours. À part les territoires là, mais ça, c'est pas un problème. Attendez, mais c'est moi ou il y a un musulman chez... Purée, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et on a dit qu'en 72, on pouvait essayer le dernier vote pour passer en organisation tribale max. Alors, c'est Svetluza, tuc ou chef de Kessin. Qui c'est qu'il faut que j'achète? Acheter une faveur, ça c'est 80 pièces. 80 pièces, et ça c'est peut-être plus cher. 80 pièces aussi. Elle c'est non. Lui c'est non. Et lui c'est non. Voilà, maintenant c'est oui.
Voilà, on a passé l'organisation tribal max. Alors, est-ce qu'on prend le risque de se féodaliser, enfin de devenir ours maintenant et de se féodaliser derrière? Parce que là, on a des troupes, mais on va les perdre. On va les perdre dès que... Il faudrait qu'on pille vraiment d'abord tout autour de chez nous, un maximum. On va faire ça, on va piller d'abord. Et après... On va la jouer comme ça. Au moins niveau 2 des tours animalières, ouais, ouais. Ah purée, il se cache ce con.